que dalle. Que dalle, un courrier de merde et un autre courrier de merde. Merci et courage. Ah mais sans déconner quoi. Faites tout péter là, vous faites descendre ça et puis c'est tout quoi, on n'en parle plus. Ça va pas tenir. Qu'est-ce qu'on a mis là aussi? Ah mais tout ce qu'il y a dessus là. Ouais. Combien d'années? Le grillage là en 1700. Ouais. Et c'est quand on est sous-marin à l'époque de la guerre. Ah mais c'est le reste de la colline quoi en fait, c'est toute cette partie qu'il a à gauche et à droite. Hein? Ouais. C'est vous qui avez étudié ça ou c'est des ingénieurs? Ouais, c'est ce que j'allais vous dire parce que... Moi j'ai vu des trucs comme ça en Corse et je vous garantis que quand vous avez la montagne qui bouge, il y a tout qui part. Hein. Même le filet. Hein. Bah non, bah oui, c'est ça, c'est ce que je vous ai, c'est exactement ça que je vous disais quoi. S'il y allait, on va dire une dizaine d'années. Ouais. Mais non. Mais non, il y aura le Covid 400. Eh ouais, on aura, eh, c'est, là c'est 19, après on aura 20, 21, 22, 23. On sera muté. Bah on nous aura griffé des masques avec le GPS et le tracker dessus. Putain mais c'est pas possible. Bon remarquez, c'est bien pour vous, ça vous fait du taf quoi. Bah du taf on en a vu même sans ça. Hein. Ouais. J'ai bossé avec les. Là on a des gants sous les gants quoi. Sans déconner. Ouais. Il faut se laver les mains, on fait gel hydroalcoolique, après sous gants, on désinfecte les sous gants, on prend du même travail. Là, je suis censé l'avoir sur la gueule le masque, du pareil quoi. Oh. Et la distanciation sociale, un mètre, quand on est au carrefour, on est collé un contre l'autre. Ouais, c'est ça. On est capable de laisser maintenant. Hey. Bonjour. Non. 10 euros. C'est... Non, 10 euros, mais vous craignez ou quoi? C'est le Covid, c'est 100 euros. C'est
Ouais. Merci beaucoup. Par contre, faites gaffe, c'est un chantier. Normalement, vous n'avez pas le droit. Hein. Hey, regardez-moi. Moi, j'ai mon casque. Eh ouais. J'ai les gants, le casque, tout sur de sécurité. Ouais, non. Oh, mais attendez, vous avez pas croisé les vélos là encore? Ouais, non, pas tant que ça. Les meutes de vélos, vous plaisantez ou quoi? Là, qui passe, des morts. Ouais, parce qu'ils doivent s'arrêter dans le virage là-bas, parce que voilà, mais sinon. On en a eu un ou deux individuels. Après, quand on peut, faut pas être chien, quoi, on peut passer. Je comprends, mais c'est par rapport au risque. C'est les bagnoles, on peut passer, vas-y, on voudrait passer. Ouais, faut passer, on va pas toutes les 30 secondes, faut bouger le camion et tout. Même, comme une pierre, comme ça, sur la carrosserie ou sur la gueule des écailles. C'est votre responsabilité, ouais. Exactement. Ouais. Les fermer, quoi, c'est tout. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Oh, après, la majorité du temps, c'est des gens sympas, mais moi, je trouvais que c'était des têtes de corps. Hein. Et moi, j'en ai arrêté quelques-uns. J'ai balancé les. Ouais, j'ai mis deux ou trois par terre. J'ai abîmé quelques carrosseries à coups de pierre aussi. Et mec, là, sur les chantiers, t'as les feux. Tu bouges d'un coup, tu sens un truc, là, le mec avec le rétro, il te touche parce qu'il a brûlé le feu. Il y a un point, mais t'as la pierre là, tu te rends pas. Voilà. Le mec, il s'arrête pas. Et ben, il fait que s'il s'arrête, la prochaine pierre, c'est pour sa gueule. C'est dans tous les boulots pareil. Il y a une majorité de gens sympas. Mais il y a quelques gros connards, voilà. À Turbi, j'ai rien comme ça. Il y en a quelques? Non, moi je pense qu'il y en a beaucoup trop même. Ah oui, non, mais il y en a trop, ça c'est clair. Il y en a trop. Bonjour. Bonjour. On dit que là, c'est. On dit qu'on va voir ce qui va se passer là. Mais ça, c'est une cata, quoi. C'est une cata. Ah ouais, la nature, elle a repoussé l'eau. Moi je suis montagnard, je photographe et tout. Hein. Ouais. Je vois ce qui se passe. Je suis tout le temps là. Elle va se prendre une claque à nature. Ne serait-ce que toute la pollution qu'on va recréer avec ces putains de masques. Les masques, les bouteilles, les gels, les... J'en ai parlé sur un truc sur Facebook, juste en marquant un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va foutre de tous ces masques usés? Hein? Où est-ce qu'ils vont aller? Eh ben, y en a un qui, sur une vidéo, je crois, ou une photo, il montre. Il est... Ah, à la Ciotat. À la Ciotat, ouais. Il a carrément un fil comme ça avec tous les masques qu'il a récupérés dans la mer. Mais il n'y a qu'à voir en ville. Moi, je suis à Tourette. Même à Tourette, hein, c'est deux brises, tu vois, deux trucs. Il y a des gants par terre, il y a des masques. Moi, j'attends qu'une chose, c'est d'en voir un qui le jette devant moi. Ah, mais bon, c'est. Ramasser avec la bouche. Ah, non, mais non. Non, non, moi, je ne fais pas ramasser avec la bouche, quoi. Non. Je lui mets dans la bouche. Ah, non, oui, mais ça, oui, mais d'abord, il le ramasse avec la bouche et puis il lâche un peu par terre aussi. Ouais. Ah, non, mais moi, je ne comprends pas. Et puis les gens qui dénoncent, les gens qui étaient vus vite. Hein, non. Le mieux, c'est pas la brigade machin là. La brigade Covid, ils ont appelé ça. Oui, mais j'ai entendu ça. Mais c'est des mecs qui vont, quand on va aller dans un endroit, ils vont te demander si t'es OK pour être contrôlé. Ouais. Pour voir si t'as de la température. Donc, et alors c'est les infirmiers ou médecins, enfin un truc comme ça. Et si t'es positif, testé positif, soi-disant, ils informent ton médecin. Mais eux, par rapport à l'utilisation des médicaments, enfin des trucs qu'ils auront pris, il faut qu'ils marquent quelque chose. Donc il faut qu'ils marquent l'identité de la personne. Son adresse et tout. Donc ça veut dire qu'ils créent un fichier à eux. Et ce fichier, il va où? Eh voilà. Il va là-haut. Et du coup, de brigade Covid, ça va être du style Matrix. Enfin voilà quoi. C'est ça, tout numéroté. Ouais. Mais c'est ça. Je suis pas un complotiste ou machin, un truc comme ça. J'ai rien à branler de toutes ces conneries là, ni survivaliste. C'est réaliste. Voilà, mais je suis réaliste. Il n'y a pas besoin d'être du côté machin pour comprendre que on nous prend pour des cons quoi. Ouais, mais. On nous prend pour des cons. C'est ça à la limite. Moi, franchement, je pense être réglo. Enfin, je veux dire, je suis pas, mais voilà. Personne n'est réglo. Non, mais... On essaye de vivre comme on peut vivre. Non, voilà, c'est tout. Dire, voilà, sans faire chier les autres. Pas, moi aussi. Voilà. Moi je bois pas non plus, mais je. Un peu, mais... Oui, bon, moi aussi. Et, un peu trop d'ailleurs, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, j'ai pas de casier, j'ai rien, j'essaye de rouler, voilà, je fais gaffe. Mais bref, donc à la limite, je dis, à la limite, ça ne me donnerait pas d'être fiché, dans le sens, je n'ai rien à reprocher. On est fiché. On est fiché dès notre naissance. Moi, il y a un truc qui me fait peur des fois, c'est pas peur, c'est que. C'est qu'il suffit. Moi, je me suis aperçu plusieurs choses. Alors, c'est clair que là, il suffit que tu passes un coup de fil et que tu parles. Par exemple, la dernière fois, je cherchais, c'était quoi, genre, il y a quelques temps avec ma bagnole. Je prononce Nissan au téléphone, le soir sur Facebook, j'avais une pub de Nissan.
Alors une fois, ça peut être un coup de hasard. Non, non. Si c'est systématique, quoi. Et le pire, c'est ça arrive des fois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en 3 semaines, sur 3 trucs, on discute là entre nous, on parle d'un truc, sans voir le téléphone, et le soir, tu te retrouves avec des pubs de ceux dont tu as parlé, et des trucs assez concrets, j'ai plus de trucs en tête, et pourtant je suis loin d'être complotiste. Mais t'es complètement pris dans un truc de fou, quoi. Mais que ce soit. Et après on te dit non, non, le téléphone, c'est impossible, c'est là. Mais bien sûr. Ouais. Quand tu nous dis Siri, fais ça. T'as des mots-clés, t'as des. Fais ça. Tout le temps. Ah, ben oui. Fais ça. Ouais. Regardez, ils arrivent. Oh merde. Oh, t'es. Le satellite, t'es où? C'est bien, ça va. Oh, bah, hey, sur le 06, on est les meilleurs. On a déjà. On est le premier département à avoir les drones de surveillance. Vous savez ça ou pas? Ouais. Il y en a un peu partout, mais plus. Non, ah, si, on est le premier. On est les premiers à avoir les caméras de surveillance avec reconnaissance faciale. Bon, là, ça va être un peu compliqué avec le masque. Mais c'est fait. Alors, il y a une question que je me suis posée. Peut-être que vous êtes au courant, vous vous êtes posé aussi la question. C'est pas un sondage, hein, c'est juste une question. Après, vous inquiétez pas, hein, tout va être flouté. Hein, vos personnes vont être floutées, mais on va bien rigoler. Ouais, on va bien rigoler. Non, non, on va bien rigoler. La question que je me pose, qui est, on va dire un petit peu con, mais que j'ai oublié. Putain, merde. Mais voilà, pour dire ça. Ah, voilà. Ah, franchement, c'est débile. Non, ça y est. Ah, tu vois. La loi, elle dit pas qu'il est interdit de se voiler la face. Ah, mais ça, ils en ont parlé hier. Ils en ont parlé, alors justement. C'est une loi, ce n'est pas un décret. Donc, ouais. C'est au-dessus d'un décret. C'est pour ça qu'officiellement, les maires, contrairement à ce qui se passe actuellement à Nice, donc à dire que non, obligatoirement, le masque est obligatoire dans les lieux publics. Bonjour. Officiellement, tant que la loi n'est pas sortie, effectivement, on peut pas, ils ont pas vraiment, ils peuvent l'appliquer, mais on n'est pas obligé de la respecter. Puisqu'on ne doit pas être masqué, on doit être reconnaissable. Donc il y a un petit peu un flou là-dedans. Bah, comment ils veulent reconnaître quelqu'un s'il a un masque machin? C'est pour ça que là, pour l'instant, ils ne peuvent pas obliger les gens à porter le masque réellement, même si être dit à pondu son décret et compagnie. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau on peut justement dire, mais attends, on doit être découvert dans la rue. Les décrets ne peuvent pas aller contre les lois, c'est clair. Oui, donc si la loi est donnée et on va dire établie, on ne peut pas faire un décret qui va contre la loi, sinon c'est anticonstitutionnel. Oui, quoi. C'est qu'il n'y a pas eu un vote à l'Assemblée et compagnie. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, actuellement, je veux dire, après, c'est facile de critiquer, mais actuellement, on le voit tous les jours, on est ensemble de postes différents, personne ne sait ce qui va se passer après le 11 mai, après en septembre, après ce qu'on veut. Donc tous les jours, non mais, tous les jours, on te sent un truc différent entre les. C'est bien ça, la remarque. Ouais. 11 septembre, ouais, 11 mai. Ouais. Ouais, ça c'est pour les complotistes, hein, c'est pas pour moi, hein, mais... Ah, ça va être trop bon. Ah, ça va être trop bon. Non, mais vous avez... je vous l'ai dit, hein, ça va être flouté, vos visages seront floutés, donc il n'y a pas de problème. Mais même quitte à ce que je fasse juste... Non, il y a tout qui va... J'ai encore passé je sais pas combien d'heures à tout masquer. Mais j'avais fait une vidéo, qui est sur le net, avec le livreur, avec lui, là, le... Et j'ai 900 vues dessus. Sur une erreur de livraison de DPD. J'espère que c'est pas la même chose. DPD, la boîte, tu veux dire? Ouais. Non, parce que ça peut prêter à confusion. Non, je peux pas. Je suis livré par DPD. C'est impossible. Je vais pas traiter d'homophobe, mais. Non. Non, justement. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains peut-être qui ont pensé que. Voilà. Ouais. Mais non. Là c'est la même boîte, hein, de toute façon. C'est DPD, Chronopost, c'est exactement la même boîte. C'est DPD ? Non, c'est pas la poste. Voilà. C'est DPD à la poste. Voilà ce qu'il faut pas confondre. DPD, c'est Chronopost. Ouais. D'accord ? Ne pas confondre avec avec la poste. Ça n'a rien à voir. Ah, ça, je sais pas. Mais c'est le même principe, hein, c'est de la livraison aussi. non, ça sera coupé. Ça va être coupé. Il faut pas les confondre. Hein. Franchement, non, ça, c'est clair. Ça craint parce que les mecs de la poste, je leur jette pas, on va dire, des fleurs, mais je vais préférer qu'ils s'arrêtent dans un sens où il n'y ait plus de livraison du tout. Là, ce que je fais, en fait, c'est dégueulasse parce que je mets en danger les gens.
Mais bon, moi, on m'a dit, fais-le. Pour que ces gens-là puissent continuer à travailler. Ouais, mais c'est un cercle vicieux. C'est vrai que là, ils disent, ouais, on risque de repartir de plus belle. Patin, ouais, mais à un moment donné, on fait quoi? On arrête l'économie de deux mois. Allez. Mais qui c'est qui croit aux chiffres, là? Mais c'est même pas une question de chiffres. Qui c'est qui croit aux chiffres? Il faut arrêter. C'est qu'à un moment donné, il y a une réalité qui est là, quelque part. On est dans un système où c'est vrai que tous ces entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup d'avance ou quoi, au bout d'un moment, il faut bien qu'on retravaille. Donc à un moment donné, il va falloir faire un choix entre effectivement choper cette merde et se dire bon, on va s'en sortir, ou d'autres non. Non, ou non. Ou alors, ouais, mais bon, vous trouvez une solution, un remède, sans parler d'un vaccin. Je pense que là où c'est le problème, c'est l'économie mondialiste, et je parle pas, d'accord, et l'économie locale. On n'a pas le droit d'arrêter l'économie locale. Donc ça veut dire quoi? Le confinement, c'est de la connerie. C'est vrai, c'est de la connerie. On aurait fait un truc intelligent du style, bon ben telle personne est malade, etc. Ok, il sait de lui-même, il n'y a pas besoin de sortir de loi, de décret, il sait de lui-même qu'il reste chez lui. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que les hôpitaux ont des gros problèmes? Ben, c'est une question de pognon. On a voulu mondialiser tout ça, on a voulu sortir l'économie de la France. Pour se dire, ben on fait des économies. On le voit avec les masques, on le voit avec tout. Non mais tout, n'importe quoi. On parle des masques à l'heure actuelle parce que c'est la mode. Donc c'est l'économie locale qu'il faut peut-être, on va dire. Ah mais comme là tout le monde va chez les producteurs locaux, on dit ah les locaux on s'aperçoit. Mais dès que ça va revenir, mais les membres, il n'y a qu'à voir ce week-end, il paraît qu'il y avait une queue monstrueuse à Carouf et compagnie. Ouais. Je veux dire les gens au bout de moment ils vont aller quoi au plus vite, au plus simple, parce qu'on est pris dans une frénésie où on nous a mis dedans. Mais non, mais bon, moi je suis très pessimiste par rapport. Mais à la limite, moi je m'en fous de tout ça. Moi ce qui compte pour moi, c'est tout ce qui est autour. Là, la nature nous a donné un avertissement, on n'en tient pas compte. Ça va être pire ce qui va se passer. Ça va être pire. Et tout ce qui se passe autour, enfin voilà quoi, c'est quoi le... Moi je suis optimiste, je suis pessimiste, optimiste comme vous. Non mais moi je suis pessimiste sur la nature, sur le monde, sur la terre. On sera plus là que la nature existera encore. Elle existera, mais là on lui fait un mal fou quoi. Ah bah oui, mais... J'étais encore ce week-end, j'ai une autorisation en tant que photographe, j'étais dans des endroits où d'habitude il n'y a pas une bestiole. Là, j'ai pris un café l'autre jour, j'avais le chamois qui était là, j'en avais 20 qui étaient en dessous, des endroits où ils ne sont jamais. Ouais. J'avais des cerfs, des biches, c'était un zoo quoi là-haut. Et pourquoi? Parce qu'il y a des goélands qui ont pondu sur la plage, sur la prom, les dauphins devant le port Saint-Laurent. Ouais, le requin aussi qui se balade dans le port. Ouais, mais ça c'est pas grave, pas top. C'est du pot bleu, ça, c'est pas assez. Ouais, Et ça, la question n'est pas là, c'est qu'on prend, on est invasif, on est parasite. Le parasite n'est pas le corona, hein, c'est nous le parasite. Bah, on le sait très bien. Ouais, et on a de quoi vivre, mais tout ça à cause de qui? À cause des politiques, c'est des pions, ça tout le monde le sait, à cause de toutes ces puissances, économiques. Le fric! Le fric et l'ego. T'as une baraque de 200 mètres carrés, ben moi elle va faire 500. Ah ben non, moi je vais faire 1000 et je vais mettre 2 piscines et 3 cours de tennis. Mais qu'est-ce que t'en fous de tout ce fric? Ouais. Non, mais c'est... Ouais, j'ai besoin de vivre, normalement. Je pense qu'on a mis une valeur. On a mis une valeur sur l'argent. On va lui mettre une valeur sur la vie. Et c'est ça le problème. Le corona, c'est le premier avertissement. C'est le premier. On a eu des pré-avertissements avec les grippes espagnoles et toutes ces conneries-là. Là, le corona, c'est le petit avertissement. Sans être scientologue ou machin ou truc ou... Bah, on a perdu le sens des valeurs. Ouais. Il y a qu'à allumer la télé, télé-réalité, série à Lacan, saison 5, à saison 6. J'en peux plus. J'en peux plus. Mon téléphone, voilà, c'est ça, je suis très bien avec ça, moi. J'en peux plus. Voilà, la nature, là, mon collègue, tu dis, tiens, regarde, t'as les guêpiers qui passent. Bon, t'entends le pic, là, t'entends si. T'entends quoi? Mais j'entends. Ben ouais, ben il suffit d'être juste à l'écoute de la nature. La vérité, elle est là, quoi. Ouais. Et voilà, allez, pour les boules. Oh! Je pense pas que ce soit... La nature, de toute façon, elle attend rien de nous, ça c'est très clair. Elle nous a pas attendu, mais elle attend rien de nous. On a tout à apprendre, pas à apprendre, on a tout à apprendre d'elle. Ah ben oui, 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 tout à fait. Les comportements des animaux, là regarde, tout ce qui emmerde l'homme, il faut le détruire. Le loup, l'ours, le lynx, tous les prédateurs, par hasard. Parce que qui c'est prédateur? C'est nous, prédateurs, on va pas se faire... Ouais. Enfin, on est prédateur quand on a une arme. Hein. Par contre, quand on n'a pas d'arme et qu'on est à poil devant la bestiole, je peux vous garantir que vous avez intérêt à courir. Tu sais, il y a une phrase de Paul Émile Victor qui était très claire. Je crois que c'est lui qui a dit ça, en parlant du loup. Il dit, l'homme et le loup sont des prédateurs. Le loup est resté prédateur, l'homme est devenu destructeur. Ça résume tout. Ça résume tout. Nickel. Voilà. Ouais, vive-moi. Allez. Ciao, merci en tout cas, super, et puis faites gaffe à vous quand même. Hein. Ouais, ça va le faire. Hein? Au revoir. Allez, salut. Allez.
Voilà. Un beau bruit, hein. Oh, merde.